Pour lire un grand nombre, il faut avoir le tableau de numération en tête. Aussi, il faut savoir qu'un nombre se lit comme une phrase, de gauche à droite. Voici un exemple. On remarque dans ce nombre que les chiffres sont rassemblés par groupes et que les groupes sont séparés par des espaces. Ces espaces sont très importants. Ils nous aident à lire les nombres. En effet, chaque groupe de chiffres correspond à une classe du tableau de numération. Nous pouvons d'ailleurs utiliser ce tableau si on ne réussit pas à lire un nombre. Pour cela, il faut commencer par mettre le chiffre le plus à droite dans la colonne des unités, puis placer les autres chiffres, un par un, dans les autres colonnes. Ce nombre comporte des chiffres dans la classe des millions, puis dans la classe des mille, et enfin dans la classe des unités simples. Pour lire ce nombre, je dois commencer, comme avec une phrase, par la gauche, classe après classe. 78 547 981. Autre exemple. Je peux m'aider de mon tableau de numération en plaçant d'abord le chiffre des unités, puis en plaçant les uns après les autres les chiffres dans chaque colonne. Dans ce nombre, il y a des chiffres dans la classe des millions. Dans la classe des mille, il n'y a que des zéros, je n'aurai donc rien à lire. Et il y a des chiffres dans la classe des unités simples. Un nombre doit toujours se lire de gauche à droite, classe après classe. 805 650. Le mot 1000 n'est pas prononcé lorsque je lis ce nombre, car cette classe n'est composée que de zéros. Regardons maintenant cet exemple et essayons de lire ce nombre sans tableau de numération. La première chose à observer, c'est le nombre de groupes de chiffres qui composent le nombre. Il y a trois groupes de chiffres. Je dois me rappeler que le groupe le plus à droite correspond à la classe des unités simples. Puis vient la classe des mille, et enfin, la classe des millions. Je peux maintenant lire le nombre en commençant par la classe des millions, de gauche à droite. 456 877 930. Dernier exemple. Je repère les groupes de chiffres. Il y en a 4. Les unités simples, les mille, les millions, et enfin, la classe qui vient après les millions, ce sont les milliards. Je peux commencer à lire le nombre par la gauche, par la classe des milliards. 3 milliards, 505 millions, 441 000. Je vois que la classe des unités simples n'est composée que de zéros, je ne dois donc rien lire. 3 milliards, 505 millions, 441 000. Pour lire un grand nombre, je dois avoir mon tableau de numération en tête. Je dois donc me souvenir de l'ordre des classes. Unité simple, classe des mille, classe des millions, classe des milliards. Enfin, je dois lire le nombre de gauche à droite. Thank you.